Du sang, des coups de poing, on n'est pas venu pour rien. Bienvenue à On les a surpayés, ces célébrités. Ok les gars, devant vous, vous avez un bloc aussi blanc que la finale de cette émission. Le principe du challenge ultime, c'est le même qu'à Mario Kart. Faut que tu tournes du bon bord, sinon c'est sûr tu perds. Première question, selon Kevin, quelle est la première lettre de l'alphabet? A, A ou B, Chesbra? Mon dieu, ça a été rapide. Kev, c'est quoi ta réponse? Moi, ma réponse, c'est A. Shit, je pensais qu'il était cave. Deuxième question. Si Jonathan possède 3 pommes et que Sylvie lui en vole 2, quel bruit fait un jet bleu? A. Cui-cui ou B. Bah! Varda, ta réponse. C'est B. Question 3. Où se situe donc le fleuve du Nil? A. En Afrique ou B. Chez Neil Armstrong? Laurence, ta réponse? Je croyais que c'était chez Neil, mais non, c'était en Afrique. Question 4. Selon Kevin, que fait 46 x 0? A, 0 ou B, 46? Kevin, ta réponse, c'est quoi? Ma réponse, c'est 46, donc B. Tantôt, non, mais là, il est cave. Fuck off. Pour ma décision, je me suis basé sur un vieux proverbe chinois. Le plaisir se rabasse, la joie se cueille et j'aime pas ta couette, Kim. On dirait que tu portes une casquette avec des hélices beaucoup trop longues. Désolé, Kim, c'est pas toi, c'est ton Wi-Fi. Vous devriez vraiment me choisir parce que j'ai déjà réussi le morceau Through the Fire and Flames niveau expert à Guitar Hero. Si vous me choisissez, je vous promets que je vais faire du Québec un pays. Je m'engage également à ajouter au dictionnaire l'autorisation d'utiliser les mots si j'aurais. C'est maintenant l'heure du vote final. Chaque concurrent éliminé doit choisir s'il décide de voter ou de garder sa grosse clé pour faire de la poudre. Grosse décision. Maintenant, comptabilisons les votes qu'on a reçus. On se fait-tu un petit bras de fer? Ah ouais, let's go. J'ai gagné, bravo. La dame en rose vote pour Jean-Thomas, c'est donc 1 à 0. Laurence est un mouton qui a suivi le troupeau, elle vote pour Jean-Thomas. Alors félicitations GT, tu as gagné par le compte de 2 à 0. Le reste des participants ont décidé de se repoudrer le nez avec la clé. Oh merci, namasté. C'est ma couille gauche GT. Merci, merci, namasté. Cette année à Big Brother, on s'est senti comme dans un ascenseur. Il y a eu des hauts, des bas, mais surtout... quand quelqu'un pétait, on le savait, hein? Félicitations à GT pour sa victoire. Il remporte une coupe de cheveux chez Roland Culé et un abonnement gratuit à Flappy Bird. Bye tout le monde, à soir, je me mets crissement chaud. Il a les cheveux enflammés, un sac à dos turbo. Ses soeurs géniales le prennent pour un rat de labo.